Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur I Am Fish. En fait, ça fait longtemps que je voulais jouer à I Am Fish parce qu'il y en avait un autre. Et ça, j'ai l'impression que c'est un nouveau jeu I Am Fish, tu vois. Il y en avait un autre moins bien fait, entre guillemets, graphiquement, je parle, hein, tu vois. Et là, c'est carrément un nouveau jeu. Et bref, tu fais du parcours en tant que poisson. Déjà, vous savez très bien, j'aime bien qu'on nage dans l'eau. Si en plus de ça, on peut se déplacer alors qu'on nage dans l'eau, tu vois ce que je veux dire, c'est différent. C'est une autre approche, c'est vraiment pas mal. Bref. Waouh. Ça, c'est très joli, hein. All right there, Bob. How's it going? Huh? Oh, Bob. Yeah. Good, thanks. Ouais, les choses se passent bien. On dirait un petit film d'animation. Wesh, le pain, il bouge. Ah, mais c'est en référence à I Am Bread. Sorry about that. Enfin, je crois qu'il y a un autre jeu qui s'appelle Je suis pain. Et tu te déplaçais en tant qu'une tranche de pain de mie. Mais oui. No. Just a sausage roll, thanks. Oh, I insist. It's on the house. Okay, sure. Whatever. D'ailleurs, jamais joué à ce jeu, mais j'ai déjà vu beaucoup de youtubeurs y jouer. I'd love some of that specialty bread. I'm sorry, we're all out. Yeah. Maintenant qu'elle en veut. Ouais, c'est pas possible. Can't eat that now. Don't let that go to waste. I have a pet shop just down the road. I bet they'd love some fresh bread. Il ne faut pas gaspiller ce pain, ouais, bien sûr. C'est quelque chose, hein. Très charmant, ma foi, tout ça. C'est très... j'aime bien. C'est mal les poissons. Treat for you all. Enjoy. Ah, du coup, c'est ça qui va les rendre, ma foi, complètement tarés. C'est le pain qui bouge, le pain vivant, là. Le pain genoulé, ma foi. Ah oui, ils en raffolent. Bah écoute. Ceci explique cela. J'aime bien le scénario, là, j'aime bien déjà. Wow, you all really like that bread, eh? Well, this is the last of it, so you all better enjoy it. C'est le dernier, ouais, les dernières miettes qu'ils nous ont donné. Putain, c'est pas vrai. Waouh. Alors là, déjà, c'est très, 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 très joli, ma foi. Alors, nager vers le bas, nager vers le haut. Donc, en gros, on va jump out of the water, man. Magnifique. Bon bah croyez, tu sais ce qu'il te reste à faire, hein. Mais on va pas se jeter comme ça bêtement, non? Je crois que si on se jette comme ça tout court, on risque de mourir, ma gueule. On va essayer. Hop là. Ah, on peut pas sortir de là. Ah, il faut manger, j'avais pas vu les miettes là. Les dernières miettes. Et ensuite, je pense qu'on sera bon pour se tailler de cet aquarium, ma foi. Faites la mal à les reilles. Wesh. Ok, ça on n'est pas impressionné, le frère, on savait déjà que tu savais faire ça. Waouh! Ma foi, une mobilité très accrue! En mangeant du pain cru, non? Qu'est-ce que t'as cru? Ouais, je suis aveuglé! Oh là là! Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il joue à cache-cache, d'accord. Ah, mais le poisson, ça se voit, il va faire une dinguerie. Il va vouloir se cacher dans un endroit. Ma foi. Oh, Starf, qu'est-ce que tu fais, meuf? Non. Pourquoi elle a attrapé le pote? Pourquoi lui aussi? Oh non. Ne dis pas, genre, ils déménagent, du coup, ils essayent de les mettre autre part ou je sais pas quoi, en attendant, ou bien... Frère, elle t'a pris tous tes potes. Tous tes amis. Tu es tout seul. Ah là là, ces êtres humains là qui pensent qu'à leur gueule. C'est le début du jeu et je suis déjà scandalisé. Et le jeu, crois pas que tu vas m'acheter parce qu'on nage dans l'eau, hein. Ok, du coup, l'océan m'appelle. Du coup, en fait, il se taille. Il a dit, d'accord, t'as pris mes potes. Wallah, je vais aller les rejoindre. Peu importe où tu les mets, dans les égouts. Je préfère nager dans la pisse que de nager seul dans les abysses. Pour l'instant, l'histoire, c'est très épique, hein. Très épique, très dramatique, ma foi. Ah, t'es dans un petit bocal, enfin un petit bocal. T'es dans un petit aquarium, frouillard. Waouh. T'as envie de te tailler, frouillard? Donne-moi des miettes de trucs, meuf. Je veux pas de ça. Donne-moi des vraies miettes. Oh, Miskin, il s'imagine ses potes. Il fait de la peine. Aïe, aïe, aïe.
Vraiment, j'ai trop l'impression de mater un petit film d'animation, je te jure. Eh ouais, mon gars, t'as tellement de force dans les nageoires que, subhanallah, tu fais bouger tout le truc, oh, mais c'est un malade. Vas-y, casse-toi, mec. Ok, il s'est décidé. Il est trop déter. Aïe, aïe, aïe. Bon, je pense que on va bien s'amuser. Enfin, je suis pas sûr. Je pense surtout qu'on risque de rager. Beaucoup ragé parce que j'ai vu une review. Une review, en gros, quelqu'un qui donnait un avis, il a fait un test, il a dit. J'ai beaucoup insulté, il a dit. Wow, il y a un autre mec. Donc, beaucoup insulté parce qu'il a ragé, je suppose. Mais t'inquiète, on va garder notre calme. Parce qu'à tout moment, notre aquarium, il se pète. Attends, je te pousse, le rey, je te pousse. Tu viens avec moi ou pas? Wow, mashallah, j'adore. Alors là, oh, mais c'est chiant. Il y a vraiment un délai de ouf entre le moment où tu vas à droite, le moment où tu vas à gauche. En même temps, tu vas me dire que c'est assez réaliste, tu vois, mais ouais. Par contre, là, faut vraiment trouver un moyen d'ouvrir la porte. Comment on va faire? Ah, ben voilà, elle est là, la porte. Mais c'est trop bien fait, même la physique de l'eau et tout, c'est pas mal. Ça fait des petites vagues toutes mignonnes et tout. Subhanallah, wow. Attends, je vais faire tomber des bails. Ouais. Oh, c'est beau. C'est très, très beau. Je suis poisson. Effectivement. D'ailleurs, Bossa, enfin le studio en tout cas, qui vont sortir un autre jeu, normalement bientôt, je crois. C'est un truc qui sort bientôt, c'est un truc où tu incarnes des pigeons, un bike comme ça, tu vois. Des pigeons géants. Enfin bref, vraiment un jeu de pigeons, pour de vrai. Et ça déchire. Putain, c'est vraiment bien fait. C'est magnifique. J'aurais été petit, tu m'aurais présenté ce jeu, j'aurais pété un câble. Déjà là, je pète un câble assez. Mais il y avait un truc comme ça à l'intérieur, ça signifie quoi? Donc bref, on va passer comme ça, d'un câble à l'autre, jusqu'à ce qu'on puisse faire des bails stylés avec nos poteaux. Ah, d'accord. Voilà, tu fais peur. Voilà, tu fais peur, mon ref. Où est-ce que les bails se passent? Où est-ce que les vrais bails... Aïe, 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 frérot. Oh, j'ai peur. Oh, j'ai trop peur à chaque fois qu'on va tomber. J'ai l'impression que tout va s'arrêter là, les reilles. Il fait trop peur, non. Non, tu vas tomber. Oh là là, c'est dur d'être un poisson dans la vraie vie, hein. C'est un truc de ouf. Où est-ce qu'on va partir? Ah, il y a un truc là. Je pense que tout va bien se passer, d'accord? Tout va bien se passer, j'ai dit. On n'est pas sûr, on n'est jamais sûr, mais t'inquiète. L'optimisme, ça vaut mieux que... Bref, regarde comment je tourne parfaitement. Oh, c'est chaud. Oh, d'accord, j'ai trouvé la technique, regarde, tu fais comme ça. Oh, il y a encore du pain. Oh, c'est trop bien. C'est-à-dire que là, je pense qu'on va être plus agile, plus rapide... Ouais, y'a moyen. On va partir sur le petit rebord là. Ah, attention. Voilà. T'es ouf. Voilà, t'es un ouf. Ok, là, je pense que c'est calculé. Ça veut dire qu'au bout là, on va être arrêté par le petit coin du toit. Et normalement, voilà, c'est tranquille. On peut pas sortir d'ici, tu vois. On reste sur les câbles très gentiment. Et les choses se passeront tranquillement, quoi. Yep. Hop. Attention, les rails. Il y a encore les doubles câbles. Mais vraiment, les doubles câbles, c'est nos potes de la vie. Hein. C'est nos potes de la vie pour la vie. Alors je sais pas si on va faire le jeu entièrement, en plusieurs fois, en je sais pas combien, bref. Mais en tout cas déjà si vous appréciez cette partie là, enfin cet épisode là, moi ça me parle. Même si c'est un jeu, toi-même tu sais, assez enfantin tout ça. Je sais pas, moi je trouve satisfaisant à voir. Hop hop hop, je crois que c'est fini. Oh non, ça va. Non, tout se passait comme prévu, je paniquais pas vraiment. Je faisais Zama, tu vois, pas. Pour rajouter un peu de suspense à la vidéo, toi-même tu sais. Mais mon truc, il est fissuré. Je sais pas si c'est censé être comme ça ou bien si j'ai merdé, tu vois. Je pense que c'est plus la deuxième option en vérité. Ok, là il y aura des trucs pour amortir, j'espère. Ou pas, y'a rien du tout. Bah, je crois qu'il faut vraiment se jeter. Hein. Je pense pas que ce soit une bonne option. Mais wow, ça fait peur. Ça fait trop peur. Oh, wow. J'avais même pas vu, putain, j'avais pas vu. Ok, de toute façon, on est bientôt dans l'océan. Normalement, tout est yumb qui se finit yumb. C'est bon, les raies, on y est bientôt, on peut y aller directement comme ça, non? Wow, oh, ça fait trop plaisir. Pain trouvé, attends, il y avait d'autres pains. C'est pas grave, pour moi, c'est une réussite. Même si je pensais vraiment que c'était la seule miette de pain qu'il y avait à trouver. Pourquoi tu paniques, le raie? Je comprends pas. Ah, il se fait attirer jusqu'au bord. Un poisson. On va le rapporter, il faut le cacher pour que papa et maman ne le trouvent pas. Mais t'es complètement taré, laisse-moi tranquille, frère. Tu sais pas tout ce que j'ai dû traverser pour être libre
Et tu veux m'enfermer? Putain, frérot, ils m'ont mis 4 étoiles, ça fait plaisir. Ok, donc là, c'est vraiment une aventure. L'aventure du poisson qui voulait faire la mala avec ses amis. Parce que sa propriétaire lui a pris ses amis pour je ne sais quelle raison. On ne sait toujours pas pourquoi elle a pris les poissons. Vraiment, c'est ça qui est ouf. On n'a pas de réponse. En tant que poisson, c'est inadmissible. D'accord, donc là, on se retrouve dans un grenier éclaté, sa mère. Ça veut dire vraiment, avant, on était dans un cadre. C'était notre environnement. On est dans la mer, ça fait plaisir. Et on s'est fait kidnapper par un malandrin. Waouh, waouh, waouh. Je te jure, j'ai cru qu'on allait, y passer. Je te promets, là j'avais vraiment peur de Shepper. Ok, là comment on va faire? Ah, je vois déjà le truc se dessiner, frérot. Tu pousses, tu te balades et puis tranquille. Les choses se passeront à mon avis très très bien, très très bien. Donc là, des matelas forcément, avec de la pisse dessus, tu connais. Et quoi de... Oh, les effets de lumière, c'est beau. Mais là, je sais même pas c'est quoi ces trucs que je ramasse, hein. J'espère vraiment que ça va nous permettre de débloquer des bails, parce qu'autrement, moi, je suis énervé. Ok, petite miette de pain qui fait plaisir. Elle n'apporte rien en termes de gameplay, hein. C'est juste un truc que tu collectes, ma foi. Si je vais ici, j'ai peur. Est-ce que c'est une trappe? Laisse-moi y aller, laisse-moi y aller. C'est possible. Oh, bah, c'est la merde. Je crois qu'il est complètement fou. Ah non, je croyais qu'il allait qu'on... Vous êtes mort. Il m'a calmé parce que je me suis dit, ouais, c'est Disney, il n'y a pas de poisson qui meurt ici. Ok, donc faut faire un truc avec l'échelle peut-être, hein. Ouais, je pense que j'ai trouvé, ouais, tout à fait. On va pousser l'échelle et c'est Michel l'échelle qui va nous frayer un chemin, ma foi. Mais est-ce que le poteau, il aura la force? Bah oui, il a la force. Ça n'a aucun sens tout ça, mais tranquille. On va aller là-bas et espérer que cette fois-ci les choses se passent comme prévu et que notre avenir ne soit pas... Ouf, super, hein. Maintenant j'ai l'impression qu'on est bloqué. J'ai fait un truc de pas bien, de pas correct, tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est pas possible. Ah voilà, il fallait prendre de l'élan. Bah voilà. J'ai fait un truc bête. Je le savais. Non, je le savais, tout était prévu. Hein. Ouah frérot, tu dois faire les travaux pour ton toit là. Hein. L'isolation, tout ça, c'est pas fameux, bref. Ok, là j'ai peur. Oh, non, pourquoi? Ça fait trop de la peine de voir ça, voilà. Ok, cette fois on fait gaffe, parce que les virages, c'est très dur, hein. Très 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 dur dans le jeu, je te jure. Ok, ah, je crois percevoir un trampoline. Je crois, j'ai bien dit je crois, le Rey. Ouah, ça fait peur. Mais c'est tellement stylé, sa mère. Ouah. Oh, on se trouve dans l'eau, c'est magnifique. Je suis libre à nouveau. Enfin, on sait pas pendant combien de temps, mais bref. Mais qu'est-ce qu'il est joli, le jeu. Vraiment, je suis choqué. Hein. Je n'arrêterai pas de le dire tant qu'on sera dans l'eau. Parce que ouais, l'eau, c'est magnifique, faut le dire. Aïe. Il sait pas ce qui lui arrive, le frérot. Hein. Il sait pas du tout. Mais qu'est-ce que c'est stylé. On se fait aspirer. Là, à mon avis, on va aller dans la mer. Dans la merde. L'un ou l'autre. La mer ou la merde. Les égouts ou bien la mer. Oh non, je crois que c'est... je crois que c'est les égouts, mon ref. Mais c'est tellement joli, ça me dérange même pas. Hein. Franchement, et l'eau a l'air pure, ma foi. C'est de la pisse, hein. Oh, pourquoi il y a une giga seringue? Mais je suis bloqué dans un truc, là, mon frère. Je suis vraiment bloqué dans un... Oh, je suis étouffé. C'est horrible. Comme quoi, faites attention. Regarde. Tu te mets ici, tu le chopes, et tu es prisonnier. Je vais mourir comme ça. Mais il est encore vivant, te fous pas de ma gueule. Non, en gros, c'est vraiment un message. Ça, c'est vraiment pour insister. Et hop là. Oh, c'est magnifique, je m'amuse de ouf, mais par contre là, les déchets, c'est pas du tout un plaisir, hein. Ça, quel non-plaisir, ma foi. Hop là, il y a des seringues en plus, il y a des trucs, oh là là, on sait... Oh, je me suis pris dedans. C'est vraiment la piscine municipale des déchets ici, hein, c'est abusé. Donne-moi un peu ce truc-là, ça fait plaisir. Ah, mais c'est des checkpoints, je viens de comprendre. Qu'est-ce qu'on est censé faire? Ah, de l'autre côté. Oh, putain. Ok. Oh, lourd. Oh, j'adorais les petits bassins quand j'étais petit. J'adorais de ouf. Là, c'est vraiment un petit bassin. Très, très petit bassin, agréable, ma foi. Et là, on est re-aspiré. D'accord. Cette fois-ci, je pense que ça va être la mer, pas la merde. C'est même skin. Incroyable. Vraiment stylé, hein. Stylé de ouf, cette aventure. Donc, on navigue tel un poisson paumé, ma foi, qui espère retrouver ses amis. Et j'espère vraiment qu'on va les retrouver. J'aurais trop le seum qu'on fasse tout ça et qu'au fil... Starf, c'est quoi? Oh, j'ai eu peur. Oh, il faut que tu jumpes dedans. Non, mais c'est pas juste. J'étais censé me retrouver dedans. Comment je me suis retrouvé à l'extérieur? Non, mais c'est pas possible. D'accord, donc ça continue. Et cette fois-ci, ça va être dans ce grand bac d'eau, ma foi, qui permet d'essorer de base. Et tranquille. Donc là, il faut faire gaffe à ce que les gens te remarquent pas.
Je crois que c'est ça. Je crois que c'est eux les ennemis maintenant. Le danger, c'est eux. Sinon, ils viennent te ramasser. Ils vont dire, hé, mais frérot, il y a un poisson qui... Ouais. T'as pas intérêt à me voir, toi. Mon... Ah, c'est ton seau. Ah, cours pas vite, frérot. Tu cours pas vite du tout. Non, mais gros, t'arrives pas à me rattraper, là. T'es nul, hein. Tu es qui, toi? Mais toi, tu es qui? Hey. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Non, mais c'est Matrix ou quoi, l'histoire, là? C'est le mec qui va avoir ralenti, c'est grave. Ok, bon, écoute, ma foi, le bac, il est en train de se frayer un chemin lui-même. De base, je voulais partir sur la route avec... Ah, avec le gravier ou je sais pas quoi. Et c'était pas du tout ça. Ouh là là, le Rey, il est en train de me rattraper. Il y a des cailloux. Les cailloux, c'est des bâtards. Oh, les cailloux. Oh, des bâtons dans les roues, des cailloux dans les routes. Non. 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 Oh, qu'est-ce qu'il est nul. Il est nul de ouf. Ne me fait... Oh, Miskin a dit, ne me fais pas courir comme ça. Oh, il fait de la peine. Vous croyez, c'est la vie, hein. Des fois, un saut perdu, on va dire un saut perdu, le Rey, hein. T'en rachètes un autre, qu'est-ce que je te dis. Oh, on va foncer dans le lac. Ah, c'est magnifique, l'eau. L'eau dans le jeu, je sais pas, il y a... Oh, je vois une sorte de parc aquatique. Si on peut partir là-bas, ça serait incroyable. Waouh. Par contre, comment ça, 3 étoiles sur 5, là, je suis énervé, là. Est-ce que ça a un rapport avec le nombre de fois où je suis mort? Je sais pas. En tout cas, je suis très content. Franchement, très très content. Le jeu est magnifique, resplendissant, ma foi. On est dans... Quoi? Le pont de la liberté? C'était un pont, ce que j'avais vu. Je pensais que c'était un truc où tu montais tout là-haut, il y avait des toboggans, tu glissais tout. Je me suis dit, ouais, c'est lourd, parc aquatique, t'es un poisson, c'est kiffant, non? Donc, on se retrouve dans le lac. Je sais pas si le Rayou, il a récupéré son bac. Son saut ou son je sais pas quoi, mais bref. Mais waouh, qu'est-ce que c'est beau. Bon, tu vas me dire, frérot, c'est un jeu où t'es un poisson. Donc si l'eau est mal faite, c'est dangereux. Enfin, c'est dangereux, c'est nul, quoi, on est d'accord. Mais t'as quand même capté. Oh, petite miette. Ah, t'as intérêt à me rajouter une étoile pour ça, frérot. Non, mais sincèrement, les gens, vous trouvez pas que c'est genre comme un film d'animation? Mais c'est un jeu vidéo, quoi. Genre, vraiment, je suis trop content qu'on en soit arrivé à un stade où les graphismes sont comme ça maintenant, tu vois. Et je me dis que dans 10 ans, Inch'Allah, ça va être de mieux en mieux, quoi. Ok, je vois une fontaine tout droit. Mais je vois surtout qu'il y a pas mal de déchets. Oh, les bâtards. Oh, Miskin, il est là. Bon, c'est bon, tu l'as trouvé, ton bail, soit pas, hein. Mais il était en train de dire, oh, mon pauvre saut. Frère, le pauvre poisson. Ah, je vois qu'il y a une sorte de vous allez dire d'aération, mais c'est une évacuation, effectivement. Aération sous-marine. What? Attends, ça va nous envoyer de ouf. Ça va... Wow. Gros, imagine, tu vois ça. Aïe. On va où, là? Oh, il y a de l'eau. Oh, c'est ingénieux, ma foi. Oh, je suis en kiff. Franchement, s'il y avait bien une personne qui devait vous faire une vidéo sur ce jeu, c'est moi, les Rey. J'adore l'eau, j'aime les poissons. D'ailleurs, Starfall là, j'oublierai jamais la fois où j'ai acheté deux poissons rouges et Miskin, il y en a un des deux qui est mort la première nuit. J'étais dégoûté, sa mère. Au réveil, il flottait. Ça me dégoûte. Je te jure, ça me dégoûte. À chaque fois, bah, je t'avoue, ça fait remonter des souvenirs. Le Rey est pas très agréable, ma foi. Oh, c'est quoi ça? Wow, Star. Wow, Star. On va mourir. Oh, magnifique. Je suis avec un mec. Enfin, un mec. Je suis avec un autre poisson. Mais attends, est-ce qu'on va dépendre de lui ou pas? Est-ce que genre, il peut faire des mouvements? Parce que wallahi, si tu fais des mouvements brusques, mon gars, on est mort. Donc fais très très gaffe à ce que tu fais. Ma foi, j'accepte gentiment qu'on soit en colocation. Alors, si tu pouvais, s'il te plaît, rester tranquille, ça ferait plaisir. Alors, c'est lui qui m'a accueilli, Miskin, et je l'agresse comme ça, ça se fait, tu vois. Ok, donc là, je ne vois pas d'autre choix à part prendre les escaliers, tu vois. Et je sais pas s'il y a un tapis à la fin ou quoi. Ah si, je crois qu'il y en a un, tu vois. Donc bref, on va faire gaffe. J'ai dit on va faire gaffe. Même si j'ai peur, il va être fissuré le bail ou pas. Non, ça va, on est des champions. On est des champions de ouf. Ouvre-moi cette porte. Oh, Starfall, ça fait peur. C'est quoi ces bails-là de chaises? Je vais essayer d'explorer un peu la cuisine. En fait, le frérot, il sert à rien, Miskin, finalement. C'est juste un témoin, ma foi. On dirait il n'a pas d'âme. Inanimé, le Rey. Ok, là, il y a quoi? Oh, on peut sortir carrément. Moi, je pensais qu'il fallait faire un bail avec la table, dans la salle à manger, mais rien du tout. Je récupère une miette ici, le Rey. 2 secondes, c'est possible. Et où il y a des mouches, c'est dégueulasse. Oh là là. Alors, je sais pas pour vous, mais moi, je kiffe beaucoup. Vraiment beaucoup, beaucoup. C'est pas du tout un jeu chiant à faire. Genre, il n'y a même pas de rage. un peu. Vite fait. En fait, c'est même pas de la rage, c'est des frayeurs. C'est des petites frayeurs, mais vas-y, tu vois, on va dire, je suis mort quoi. Une fois depuis le début de la vidéo. Tranquille, ma gueule. Non, mais c'est rien. De toute façon, ça arrive hein, dans la vie d'un poisson de mourir alors que tu te balades avec ton bocal. C'est des choses de la vie, ma foi. Jusqu'ici, les choses se passent très, très, très bien. Maintenant, ce qui me fait peur, c'est l'arrivée là-bas. C'est au niveau des voitures. Là, je dis Starfall là. Tu vas se dire ou pas?
voyez des plots, ok, qui vont amortir notre arrivée, ma foi, non, 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 oh putain, bon bah, à cause de moi, il meurt, miskin. Vraiment, c'est triste. C'est très triste, l'histoire, je te jure. Est-ce que vous culpabilisez, monsieur? Pas du tout. Ouais, il y a une sorte de trampoline, ma foi. Putain, mais on le voit agoniser, c'est pas possible, Khay. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Genre, ça dure trop longtemps, vraiment. Même si un enfant regarde ça, il est en mode, mais il meurt, il fait quoi, là? Il se débat. Il se débat pour la vie. Non, c'est d'une violence. Mais finalement, je suis... Vous allez dire, je suis surpris de à quel point le jeu il est facile, tu vois. Il est très facile, vraiment, voilà. À aucun moment, il y a de difficultés. Non, en vrai, il y a une petite difficulté, mais très petite. Mais je comprends pas le fou furieux, le taré, qui a dit, ouais, j'ai insulté plusieurs fois. Écoute-moi bien, salopard. Wouh. Bah, tu sais quoi, frérot, écrase-moi, c'est mieux. Achève-moi. Mais vous êtes vraiment des assassins. Vous passez en voiture, même pas vous prenez la peine de m'écraser pour abréger mes souffrances. Ça me dégoûte. Bref, tout ça pour dire, les amis, toujours voir au niveau de la route quand il y a des voitures ou pas. Surtout quand t'es un poisson qui se balade dans son aquarium parce que tu es d'autant plus en danger, quoi. Parce que laisse tomber. Les gens, ils font pas attention. Vraiment, ils font pas du tout attention. Donc, à toi de faire attention à toi avant que les autres fassent attention à toi. Parce qu'il faut pas compter sur les gens pour faire attention à toi. Tu comprends ou pas? On en est à ce stade de réflexion, croyez à la confiance en cette société, croyez à ma foi, qui est déchue. Hein, c'est la décadence. Ok, oh, je sens que je vais kiffer. Je sens que je vais... Wow, 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 wow. Hey, le Khayou, il est totalement perturbé, Mskin. Il se dit, hey, qu'est-ce qui se passe? T'inquiète, tout se passe comme prévu. Absolument pas, il n'y a rien qui se passe comme prévu, le Khay. Je te dis honnêtement, là, c'est toi et ta chance. Mais normalement... Ouais, j'ai trop peur. Je te jure, j'ai eu trop peur. Bah écoute, frérot, j'espère que tu me remercieras par courrier recommandé avec 100 € en chèque ou en espèces. D'accord, bon, il s'en fout. Donc là, c'est joli. Vraiment joli, joli, joli. J'adore. Franchement, je vous dis, moi, je kiffe ma race de ouf. Donc, une fois arrivé ici, est-ce qu'on a genre des miettes à prendre ou pas? Parce que sinon, ils vont mettre 3 étoiles, je vais parler mal. D'accord, il n'y a rien. Ok, ok. Je vois qu'il n'y a rien pour nous. Donc, on se taille. Wesh. Quel est ce bail? Ah, d'accord. Ok. Bah, écoute, c'était au hasard et... Waouh, 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 ouais, c'est trop beau. Par contre, c'est quoi ça? Pourquoi? Non, non, non. Oh, Wastarf, là, j'aurais dû y aller. Alors là, c'est pas logique, mais ça me dérange pas. Par où est-ce qu'on va partir? Là, je t'avoue, là, c'est dur. Hein. Un bocal, c'est pas un aquarium. Aïe, 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 c'est une autre manière de fonctionner. Hein. Je t'avoue, c'est perturbant. En fait, de base, j'avais envie... Non, doucement, le Khay, doucement. J'avais envie de partir tout là-bas. Est-ce que ça va nous faire... ça va nous emmener quelque part? Pas du tout, pas du tout. Je me suis pris un stop. S'il vous plaît, rendez-moi mon aquarium, j'en peux plus. Là, je suis à deux doigts de péter un câble. C'est pas possible, là, d'infliger ce genre de souffrance psychologique. Ramassez-moi, les Khay, je sais pas. J'attire votre attention. D'accord, ils sont bêtes, ils s'occupent de leur vie. Tels de vulgaires personnes égoïstes. Attends, je prends juste ma petite miette, le Khay. Ma petite miette, magnifique. Ah, les petits déchets, tu me fais rien du tout maintenant. Tu me fais rien du tout, le Khay. Quoique, voilà, il me bloque. Voilà, il me bloque, le salopard. Oh, j'en peux plus. Non, mais c'est pas possible, frère. Je suis dans l'eau, tu m'emmerdes. Je suis à l'extérieur, tu m'emmerdes. Je te roule dessus. Voilà, c'est bon. Waouh. Franchement, c'est... Wow. Ça teste notre patience à un niveau. C'est incroyable. Je suis en train de développer une manière de locomotion. Ma foi, jamais vue jusqu'ici. Mais où est-ce qu'on va même? Je comprends pas, parce que là, je suis en train d'explorer, mais j'arrive pas à savoir où est-ce qu'on peut partir. Et arrêtez de jeter des trucs par terre, bande de cochons. Des gens sont un danger pour moi, je dois les éviter. Mais laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Ok, là, j'essaye vraiment de voir un endroit où on peut partir, là. J'ai envie qu'on se protège de ces fous-là qui sont en train de marcher partout. Regarde, ils sont même en train de faire des bails bizarres là-bas. Ils savent même pas ce qu'ils font. Ok, les choses se passent. Les choses se passent, mais ça fait très peur. Ça fait très peur. J'ai envie juste d'arriver au checkpoint. Après, tu fais ce que tu veux. Tu te jettes, tu te... Non, non, non. Non, 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 non. Tu fais pas ça, poisson. Poisson, tu fais pas ça, s'il te plaît. Je suis gentil avec toi, sois gentil avec moi, je t'en supplie. Regarde où tu t'es bloqué, mon gars. Oulala, là 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 là, je lui fais pas confiance, lui. Wallah, je lui fais pas confiance. Il me rend complètement taré. Comment ça, quand j'étais sur le sol, il y avait pas de souci? Et là, dès que tu vas sur un sol, ma foi, qui est compliqué, problématique, tu commences à faire des trucs bizarres. Alors, j'ai vu ma vie défiler. Bon, moi, je pense qu'on se débrouille. Je pense sincèrement qu'on se débrouille. On tape même des gigas dérapages. Théma, dérapage. Voilà. Ça comptait comme un petit dérapage quand même. Je te cache pas, il faut beaucoup de patience. Oh, j'en ai marre. Poisson, de base, wallah, je kiffais ce jeu de poisson. Et là, je vais commencer à insulter bêtement. This is not possible, man. Ouah, papa pipou, papa. Ouf. Non, mais c'est trop. Par contre, là, ce qui est bien, c'est que tu peux très rapidement freiner avec ça.
Mais au niveau des virages, c'est... Waouh ! Au niveau des virages, c'est compliqué. Waouh là 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 là. C'est tranquille. Tout est bien qui finit bien. Par contre, là-bas, fait de la lévitation au calme. Il n'y a aucun souci là-dessus. Attends, mais... Ah, je viens à peine de comprendre. Bah oui. Il faut descendre. Oui, voilà. Je crois, hein. De toute façon, on a un checkpoint. Même si on die, frérot, ça fait quoi? Tu vois la planche en bois, là? Ça va nous... Ah non, pas du tout, mais vraiment pas. Mais quel est ce plan, ouais? C'est catastrophique. Heureusement que la vie de ce poisson ne dépend pas de moi. Sinon, ça serait inquiétant, ma foi. Bon, ok, il y a des bouts de trucs qui tombent, hein, sur le chemin. Donc, je pense pas... Voilà, ça, je sais. De toute façon, c'est prédécoupé, ton truc, frérot. Ouais, tu crois quoi? Non, mais ça se voit sur le bois. C'est limite inscrit dessus, donc t'es obligé de le voir. Par exemple, là, à droite, voilà, à... Ok, bah écoute, là c'était pas que à droite, c'était tout le bail. J'ai pas vu ça venir, je t'avoue. Mais bref, on va essayer de voir comment ça se passe. Ouais, les choses se passent tranquille. Ouais. Je sais pas quelle est cette matière. Je sais pas qu'est-ce que c'est comme matière, mais je suis satisfait, ma foi. Là, je fais rien du tout. Ça roule. Par contre, je suis assez pressé que ce niveau se termine. Hein. Parce que sincèrement, ce n'est pas le niveau le plus agréable, ma foi. Comment tu passes d'un milieu chaleureux? Ah ça, mon Ray, tu passes d'une maison. T'étais tranquille. Et là, on est sur un pont, le Ray. C'est incroyable. Il est très déter. Franchement, si on avait tous des amis comme ça, bah, incroyable. Franchement, masterclass. Par contre, mon bocal, il est fissuré. Hein. Je sais pas si ça se voit pour vous, mais ça se voit pour moi, en tout cas. Et aïe, tu arrêtes. Oh wow. Ça, c'était quelque chose. Hein. C'était vraiment quelque chose, ma foi. D'accord, magnifique. Magnifique. Non mais même le virage à la fin. Le petit virage subtil mais présent quoi. D'accord, tu fais ça mon Ray, tu fais ça. Voilà, pour pouvoir faire tout droit. Voilà, comme ça, très légèrement. Très légèrement, voilà. Merci. Merci mon Ray. Donc voilà, tu captes la technique. Tu fais de la sorte. Et tu arrives à manigancer des virages du feu de Dieu, ma foi. Waouh. Ah, franchement là je suis en train de bander devant le gameplay là. C'est incroyable. Ok, là je crois on va se jeter, hein. On peut se jeter dans l'océan directement. Waouh. On the edge of life, man. On the edge of life. Tu vis dangereusement, le Ray. Magnifique la couleur du pont, par contre. Est-ce qu'il faut absolument partir dans la miette, là, ou pas? Enfin, c'est vraiment qu'un bonus, ma foi. Hein. C'est pas obligé. J'ai eu peur. T'as eu peur aussi, je l'ai vu. Ah, ta. Oh là là là. Oh, on peut faire la chute de ouf. Magnifique. Bah, tu vas dans l'océan, frérot. Tu y vas. Voilà, tu roules. Tu roules! Ah putain, bah si seulement il me donnait un peu plus de temps, je pense que ça serait good. Hein. J'ai risqué ma vie pour cette miette. Eh bah tu peux crever en enfer, miette. C'est la mission la plus frustrante en termes de gameplay parce que honnêtement c'est très difficile. Enfin, c'est pas que c'est très difficile, c'est que c'est chiant. C'est chiant en fait le bocal de se déplacer dans un bocal comme ça. C'est... Les cornichons, je sais pas comment ils font! Waouh. D'accord, tu tapes le virage gentiment s'il te plaît. Et encore une fois, tu me fais une masterclass. Tu me fais une masterclass, le Ray, voilà, comme ça. Merci, waouh, c'était beau. Par où est-ce qu'on part, les Ray? Vous nous donnez pas d'indications, là. Hein. Il serait temps de nous dire où est-ce qu'on part, là, quand même. Ce qui nous... Waouh, que... waouh. J'ai vraiment flippé, là. Je me suis dit, ça va se briser. On est censé se tailler, là. Waouh. Magnifique. Je m'attendais pas à ça. Ah, 2 étoiles. Wow, Storf. Mais regarde tous les trucs que j'ai trouvés. À mon avis, c'est le temps que je prends. J'ai zappé, c'était chronométré, c'est vrai. Non, mais en même temps, frérot, wow. Je les trouve très sévères quand même. Hein. Du coup, est-ce que c'est bon ou pas? Il est dans l'océan, il est content, je pense. Il est dans son espace naturel. Mais ses amis ne sont pas là. Aïe. Peut-être qu'il va les trouver quelque part. Ou peut-être que maintenant, on va se frayer un chemin en tant que les autres. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être qu'on va jouer avec chacun des autres pour qu'on puisse nous-mêmes retrouver notre pote initial, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, tu es tellement éblouissant avec ce soleil. Ouais, c'est incroyable. Qu'il fait, mais il a sauté 1 km, ce fou. What the fuck?
qu'est-ce qui se passe? Et effectivement, les reilles, mashallah, j'ai vraiment un mental incroyable. Donc, chacun aura son aventure, ok. Bah écoutez, moi je dis vraiment, si vous avez kiffé cette vidéo, bah je vous en ferai d'autres avec du coup ces autres potos qui vont essayer de se frayer un chemin. Bref, prenez soin de vous, j'ai une vidéo. Peace!